Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2. Toujours avec l'Empire breton maintenant, évidemment. Je suis en train de me faire une petite guerre contre l'Écosse. Alors, ils ont quand même réussi à réunir grosso modo 16 000 hommes. Donc, je pense qu'on va devoir amener pas mal de renforts. Mais au bout du compte, on a évidemment la supériorité numérique. C'est juste une question de temps. Ok, on va se réunir, voilà, 26 000. On va prendre la tête de notre armée. Et on va pas les louper. Eux, ils peuvent aller au nord. Ah, sérieux, il va falloir les courser. Là, ils vont plus nous échapper maintenant. Merde, ça c'était pas prévu parce que on a 50% de malus de morale hein, parce qu'on est arrivé, on a débarqué comme ça comme des sauvages. Et j'avais pas vu qu'il y avait une armée en fait. Bon, ceci dit, ça ne nous a pas empêché de gagner. Donc là, je vais faire le siège de la région que je vise, enfin de la province que je vise. Et on est déjà à 35 de score de guerre. Ça coûte trop cher, ça, sérieux. J'ai pas les moyens pour l'instant. Ok, donc là, il y a combien de défenseurs? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Pourquoi on se bat pas, là? Je suis pas d'accord. Ils étaient pas en fuite. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait pas eu de bataille. C'est pas grave. Alors, elle a 5 ans. Voilà, encore une bataille. On est déjà à 45, ça va relativement vite. Allez, 56. Après, évidemment, une petite occupation, ça accélérera les choses. Mais le fait est que le château est quand même bien défendu, donc ça va prendre du temps. Ouais, sauvegarde. Merde, mais comment ça se fait que je les ai loupés encore, là? Un truc qui m'échappe, là. Bon, là, on va virer ces navires-là. Ça, c'est bien les troupes d'Écosse. Ouais, c'est bizarre qu'il y en ait qui m'échappent, là. Qu'on se batte pas quand on les rencontre. On va aller se faire cela. Bon, là, ils sont en fuite, donc c'est normal. Alors, là, on les a anéantis, comme ça. On n'en parle plus. Et on est déjà à 74. Je pense qu'on va avoir droit à un gros, gros pack défensif après ça. Là, je les ai de nouveau anéantis, donc voilà. Maintenant, on va commencer les sièges. Je vais me diviser quand même pour pas avoir trop d'attrition. Et maintenant, bah, je crois qu'à part attendre, il n'y a plus trop de choses à faire. J'ai pas eu mes stats. Pourtant, j'en ai fait des batailles, au moins 4 ou 5. Bah, parfois, c'est à la première bataille, et parfois, bah, voilà, ça n'arrive jamais, même au bout de 100 batailles. Je suis sûr qu'il y a des rois à qui j'ai fait mener au moins 100 batailles. Enfin, des rois, des empereurs, des ducs. Et ils n'auront jamais eu leur stat. Et bien là, je crois qu'avec cet empereur Conan, on est un petit peu parti dans cette optique. Bon, ceci dit, il est encore jeune. Et à quel âge ce petit? Ce que je pourrais faire, c'est virer toutes les armées que j'ai pas utilisées, là. C'est pas la peine de mécontenter des vassaux pour des prunes. Sauvegarde. Je sais même pas où ils sont. Ah bah oui, il y a encore tout un stock ici que je vais renvoyer. Voilà. Et puis il y a ceux qui sont à l'est qui décidément je les ai récupérés il y a bien longtemps. Le roi de France m'en a fait cadeau de tous ces vassaux. Mais je m'en suis jamais vraiment servi, il faut bien le dire.
Ok, donc ça avance. Par contre, j'ai peut-être un problème d'argent, ouais. Ben, le seul moyen, c'est d'arrêter de renforcer ça. D'ailleurs, ça va pas suffire. Parce que je la renforce déjà quasiment pas. Je pourrais rappeler mes troupes. Ouais, bon, ça va. De toute façon, je veux plus mener de bataille, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là, normalement, je devrais repasser dans le positif, puisque j'ai plus à payer mon armée. Donc forcément, ça aide. Et alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Une courtisane, sans prétention, en plus avec des stats pas extraordinaires. Son seul avantage, c'est qu'elle a le dernier niveau en termes de d'érudition. Je lui donne bien volontiers. Ça fera une Bretonne de plus en Lombardie. Et j'espère que ses enfants finiront bretons. Alors. Charitable. Ça m'intéresse pour la diplomatie. Mais c'est seulement 45%, ça fait pas beaucoup. Croisons les doigts. Et c'est raté. Restons zen. Croisade pour la Mauritanie. Ouais. Je suis pas trop motivé pour aller chercher ce pays en mon nom. Alors ça déjà, bon ça c'est gagné. Ah, donc ça c'était une petite guerre de rien du tout. On va faire venir un breton. Il va s'appeler Conredeux. Je sais pas comment ça se dit, ça me paraît bizarre. Conredeux, ouais peut-être. C'est lui. On va lui donner le comté de Northumberland. Ok. On va usurper donc le titre de duc, c'était fait pour ça. Et on va de ce pas le donner bah plutôt à lui du coup parce que l'autre c'est une femme, en plus elle est mariée à un évêque. Alors ça en dit long quand même sur l'église, hein. Je voudrais pas dire mais... Ah non, il est chapelain, j'ai eu peur. Parce que normalement on peut pas marier les évêques, donc je commençais à me poser des questions. Alors, le duché. Ok, bon bah comme ça j'aurai une bonne revendication sur ce comté. C'est parfait. Alors je vais rappeler tout le monde. Je vais pas spécialement renforcer mon escorte parce que en fait elle est déjà quasiment à son maximum, donc j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers. Là j'ai dû encore remonter. Non, ça a même pas fait de. Non, ça a embêté personne. Non, ça tu peux toujours te toucher, t'auras pas un comté entier lui. Non, bah lui il hallucine quoi. Il ose quand même me demander un comté entier, en plus pas n'importe lequel, il me demande celui-là. Ah, il hallucine. Bon, en tout cas, je l'ai envoyé balader. Alors, oui, j'ai pas pensé la Mauritanie là. Honnêtement, ça va chercher loin ça, hein. Après, pour gérer ça, merci. Ah, je vais regarder ça, quand même. À mon avis, c'est là, non? Je sais même pas trop où c'est, j'avoue que... Ah, c'est là. Ah, d'accord. Ouais, du coup, c'est pas très loin, c'est vrai, mais... Mauritanie, ah d'accord. Oui, pourquoi pas, je dirais. J'avais d'autres projets là, honnêtement. Comme faire la guerre justement au pape. Déclarer la guerre. Alors, je pense qu'il va avoir pas mal d'alliés, c'est ça qui me dérange. Et si je perds, alors, si je perds, ça va me coûter cher. J'ai quand même essayé de me faire une petite réserve d'argent. Tiens, ma femme est encore enceinte, décidément. Alors, en parlant de chapelain, hop. Je pense que les conversions, c'est pas la peine. Ah si, on a encore des hérétiques. Ok.
Ok. Revendication, je vais arrêter, hein. C'est beaucoup trop cher là, le tarif me va pas du tout. 600 pièces d'or pour un comté, je préfère encore viser un duché. On paiera peut-être, je sais pas, 1200, mais au moins ce sera intéressant là parce que 600 pour un comté quoi. Alors, les récentes visites de votre épouse à Vesturland nous a permis d'évoquer la similarité improbable. Ah oui, pourquoi pas. Honnêtement, je m'en fous. C'est, à mon avis, c'est encore les Islandais là qui essayaient de nous. Oui, Vesturland, c'est ça. Ça m'intéresse que très moyennement. Bon, j'économise un peu. Et si j'ai l'occasion, ce sera la guerre pour destituer le pape. Honnêtement, ce sera pas une question de troupes. Les troupes, j'en ai. Ouais, ceci dit, je gagnerai à renforcer quand même mon armée là. Ouais, il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup de troupes. On va y aller. Alors, Sulmed dit que son jouet favori a disparu et qu'elle n'ira pas se coucher sans lui. Difficile, ouais, peu importe, difficile. Oh merde, il est pas contente. Sale gamine. Ah, c'est bête qu'il n'y ait pas d'autres comtés indépendants. Ces messes là que j'aurais bien aimé avoir, mais ils me font la gueule parce qu'ils sont pas de ma culture. Ça aide pas. Bon, sauvegarde. Alors, mon suzerain ont progressé au-delà de. Ok. Ah, 50. Ceci dit, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ah, ça c'est bien. Le taux de renfort des troupes, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir. Ah, je peux pas changer d'objectif tout de suite. Bon, c'est pas grave. Alors, la technologie, du coup. Ouais, infanterie lourde, ça m'intéresse. Donc, je prends. Là, on va améliorer tous les châteaux. Alors, je. Un problème, c'est que j'aurai pas assez d'argent, mais. C'est pas grave. Ceci dit, c'est pas par ça que je voulais commencer, mais c'était par donjon, mais enfin bon, c'est pas grave. Là, je vais prendre l'égalisme. Et je vais aller rendre un petit tour ici. Ouais, ça m'a pas donné. Ouais, j'ai un peu merdé là. C'était pas cité que je voulais faire en premier. Ouais, s'il veut être commandant, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Ah, cruel, décidément, je commence à en avoir marre. Et j'ai dit non. Et c'est moi qui l'élève. Ça va pas du tout, ça. Pourquoi c'est moi qui l'élève? Il m'a pas demandé mon avis, en fait. Bon, de toute façon, je vais en faire un martial, ça c'est clair. Mais je veux pas, moi, c'est pas à moi de l'éduquer. J'ai même pas le dernier niveau. J'avais pas tilté quand j'ai vu ça. Ceci dit, est-ce que je veux avoir quelqu'un qui a le dernier niveau dans tout mon empire? C'est pas gagné. Et qui accessoirement soit breton? Ah sérieux, j'ai pas un seul brillant stratège. Ah bah c'est la dèche en fait. Ah merde. Et je vais pas pouvoir en faire venir, hein, je crois. Alors, sexe, homme. Ou les deux. En prison, non. Marié. On s'en fout. Titré. Par contre, je vais mettre non parce qu'il voudra jamais nous rejoindre. Religion, je m'en fous. Culture. Ouais, je vais prendre toute culture, c'est risqué. Mais enfin bon, adulte, oui. Grande famille, non. Alors tout ça évidemment ça va être maréchal, hein. C'est un peu le problème, c'est que tous ceux qui vont avoir des stats un peu sympathiques seront évidemment maréchal, courtisan, bretonne en plus.
Invité à la cour. Allez, viens. Ok, donc là, normalement, elle doit être chez moi. Ah, faut peut-être qu'elle dise oui. Ok, ça c'est fait. Et on va éduquer un enfant. Bretonne, brillant stratège. J'aurais dû m'en apercevoir avant, mais en fait, bon, voilà, ça m'avait échappé. Tiens, un deuxième, donc c'est bien. C'est le tour de Robin, qui sera sans doute pas empereur. Robin, c'est bizarre ça. Non, Robin, c'est déjà donné, c'est déjà le premier ça. Alors c'est Swan, mais Swan... Non, c'est Alexandre, pardon. Alexandre. Ça c'est fait, ça c'est fait. Swan, c'est garçon ou c'est fille? Bizarre, ça sonne fille pour moi, mais je me trompe peut-être. Moi, je ne veux pas résister à la tentation de faire la guerre au pape, hein, honnêtement. Allez, c'est parti. On va lever tout ça. J'ai pas beaucoup d'argent, mais peu importe. Pour l'instant, on va, je pense, s'arrêter ici, par exemple. Merde. On va se donner rendez-vous ici. Ok, là. On va se donner rendez-vous ici. Il n'y a pas de bateau, lui. Ah, j'avais oublié de renvoyer les bateaux. Quel boulet. On va voir qui le pape va appeler à l'aide. Est-ce qu'il va appeler à l'aide quelqu'un d'ailleurs? Ça ne m'a pas dit, mais... J'espère qu'il n'appellera personne. En tout cas, il fait sa petite guerre en Mauritanie, là, donc j'espère qu'il a mis pas mal de ses mercenaires là-bas. Alors... Louis... Il a quel âge? 12 ans. J'ai besoin de Martial. Hein. Il y a un gros problème. Il y a un certain manque de Martial chez moi. Ça, ça dépend des générations. Mais là, c'est clair que j'en ai plus du tout. J'étais obligé d'en faire venir une de l'extérieur. Ah, bah, s'il veut, je m'en fous. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, elle. Ok, j'ai plus personne. Bon, je pense qu'on peut commencer déjà à y aller avec 11 000 hommes. Une première force pour voir ce qu'on a en face. Ceci dit, pour les commandants, est-ce que j'ai pas non plus... Alors ça qui m'impressionne, c'est ça. 5 commandants j'ai maintenant. Alors ils sont tous plus nuls les uns que les autres, mais bon. Mais ça c'est vraiment la dèche, hein. Donc là, j'ai un bénéfice très léger. Tant mieux, c'est bon. J'ai 11 000 hommes. On va y aller. Je préfère les venir faire venir séparément. Parce que la traversée des Alpes... j'ai pas mes éléphants comme Hannibal, mais il n'empêche que... Si je traverse avec 22 000 hommes, je pense que j'aurai... j'aurai de l'attrition. C'est pas la peine de perdre 10% ou 20% de son armée. Juste comme ça... avec le voyage, déjà, voilà. Même à 11 000, avec... parfois on rencontre des... d'autres armées, de d'autres nations. Eux, je vais carrément les faire venir par la mer. Allez, 12 000. Alors, la défense. Alors, quand je vois la province de Rome, c'est impressionnant. Par contre, il n'a pas trop développé ses provinces, a priori. Parce que 1800 hommes à ce moment-là de la partie, c'est pas énorme. Hein. Même en Écosse, ils avaient plus. Donc, c'est vraiment pas énorme. Allez, sérieux. Sauvegarde. J'en peux plus ces sauvegardes après 140 épisodes, je dois vous avouer que je suis
un peu au bout de ma patience. Et j'ai essayé, hein, ça change rien d'enlever le cloud, de mettre le cloud, d'enlever la sauvegarde automatique. Enfin, j'ai tout essayé. Il n'y a pas trop de solutions. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on s'en fout de ça. Ah, parfait. Au moins, elle arrive à remplir sa mission. Elle. Alors, pourquoi il me déteste? À lever des troupes. Convoite le titre de royaume. Oh, ça, je t'emmerde, toi. Attends. C'est mon titre. Peut-être le vice-roi à la rigueur, mais. Grand maximum vice-roi, hein, pas plus. Ça, ce sera peut-être envisageable. J'aurais pas oublié un détail. Oui, j'ai oublié mes troupes. C'est pas grave. On n'a plus d'hérétique, donc on va. On va faire de la recherche. Ouais. Bon, je pense que je vais donner les assauts, hein, parce que sinon on en a pour une plombe. On est à 1 contre 10, donc le résultat est quand même garanti. Ah là, j'aurais dû attendre d'être à 1 contre 10 d'ailleurs. Je sens que cette guerre va être. Tiens, il a dû mourir. 16, ouais, c'est pas terrible quand même. Je sens que cette guerre va être parfaitement ennuyeuse. On va pas voir une seule armée. Je vais me contenter d'occuper ces territoires. Alors que je me préparais à une confrontation musclée. Alors après je dis des bêtises, après je sais pas comment ça va finir. Je vais peut-être regretter ce que j'ai dit dans 10 minutes si je vois 10 000 hommes arriver. Enfin même 10 000 ça suffira pas. Il en faudra au moins 40 000. Mais j'ai bien l'impression quand même que ça n'arrivera pas pour être honnête. Allez, sauvegarde. Restons zen. Alors là, je vais attendre que le siège avance. On est quand même à moins d'un contre 10. Par contre, ouais, la défense est meilleure là que dans son château. Par contre, il n'y a pas de fortification, donc ça compense. Il a 12 ans là. Il est érudit, martial. Érudit. D'accord, c'est absolument pas ce que j'avais prévu pour lui, je crois, mais c'est pas grave. On va partir sur du martial. En fait, il avait pas 12 ans, donc à mon avis, le tuteur servait à rien. J'ai fait n'importe quoi. Comment il a fini avec érudit, là? Bizarre, ça. Bon, peu importe. Donc là, j'ai pas oublié mes troupes, c'est plutôt sympathique. Je donne l'assaut. Non, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de cette guerre.